Bienvenue dans cette micro-capsule sur la différence entre un éco-quartier et un éco-centre. Allons-y! L'éco-quartier est un programme qui vise à promouvoir l'éco-civisme et améliorer le milieu de vie de la population montréalaise. Le programme est géré au quotidien par des organismes à but non lucratif ancrés dans leur communauté, comme Ville en Vert. Le programme Éco-quartier est composé de plusieurs volets, comme la propreté, avec les corvées nettoyage, la gestion écologique des matières résiduelles, avec l'inspection de bacs verts et bruns et la tenue d'ateliers sur la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation, ainsi que l'embellissement et l'amélioration du patrimoine végétal, avec la distribution de végétaux, l'établissement de nouvelles ruelles vertes et la promotion de la biodiversité et de l'agriculture urbaine. En contrepartie, les éco-centres sont des centres de réemploi et de récupération de matières résiduelles. On peut y apporter beaucoup de matières qui ne sont pas collectées à domicile, comme les produits électroniques, les pneus hors d'usage, les résidus domestiques dangereux, comme la peinture, les bonbonnes de propane et l'huile, et les articles de réemploi, comme les meubles et les vêtements. Vous avez une question? Posez-la dans les commentaires. À bientôt!